Bon matin à toutes et tous. On se retrouve, eh bien, pour s'autoriser à être soi de ce mardi 3 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Ce magnifique oracle, s'autoriser à être soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est tout simplement accepter sa part obscure pour avancer vers sa lumière, n'est-ce pas? Nous avons des parts d'ombre et nous devons les mettre en lumière. Et cet oracle, eh bien, va nous permettre de faire ce travail avec les chakras. Ici, avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finances et juridiques. Dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant, et que cela soit ainsi. Aujourd'hui, j'ai pigé « Solitude, mon ami ». C'est le premier chakra, puisque c'est le rouge. Hein. Et le premier chakra se trouve eh bien, sous votre périnée. Alors, lorsque l'accès à l'énergie de ce chakra, eh bien, il est obstrué, qu'il n'est pas aligné. Ça veut dire que vous avez un sentiment d'insécurité. Peut-être que vous plongez dans les peurs et angoisses multiples. Vous êtes essentiellement préoccupé par vos besoins fondamentaux. Vous manquez de stabilité, vos bases eh bien, ne sont pas solides, vous avez l'impression de perdre pied et vous êtes persuadé que la vie s'acharne contre vous en vous apportant son lot de difficultés. Alors vous cherchez soit à compenser par la nourriture ou l'agressivité, soit vous vous déconnectez du monde, de votre corps et de vos besoins ainsi que de toute matérialité. La solution, eh bien, c'est vous placer au centre de votre vie et ne plus vous concentrer d'être en sa périphérie. Solitude, mon ami, tu es constamment occupé, tu es constamment agité. Tu te lances quotidiennement dans une foule de tâches qui t'envahissent. Tout ça pour éviter inconsciemment, eh bien, de te retrouver seul face à toi. Tu es survolté et souvent surmené. En fait, le silence t'angoisse énormément. Donc, tu cherches des compensations extérieures, multiples, pour l'éviter. Est-ce le silence qui t'angoisse? Ou la peur plutôt de découvrir, eh bien, la richesse impressionnante de ton monde intérieur, une fois que tu le confrontes? Je t'invite à y accéder sans crainte. Ce monde est relié, eh bien, à ton cœur. Et ton cœur, il peut te parler, il peut te guider, te conseiller. Il est la voix de ta part sacrée, celle qui sait tout ce qui t'aidera d'abord et avant tout à t'apaiser. Ce chakra, lorsqu'il est bien aligné, eh bien, vous allez ressentir un lien profond à la terre, une force et une stabilité en vous. Vous savez que vous avez votre place ici-bas et vous investissez une grande confiance en la vie, persuadé de pouvoir recueillir d'elle tout ce dont vous avez besoin.
Vous vivez votre vie terrestre en pleine conscience et confiance. Vous êtes sur votre voie stable, centrée et équilibrée, physiquement et psychiquement. Eh bien voilà le message d'aujourd'hui et sur quoi vous allez devoir travailler. Vous savez, ce chakra, il établit la connexion avec la terre et permet l'enracinement en toute confiance, avec une reconnaissance des besoins fondamentaux comme la sécurité, la chaleur, la nourriture, le foyer ou le travail. Il est essentiel, n'est-ce pas, à la circulation globale de l'énergie. Car c'est quand même sur lui que reposent tous les autres chakras. Quel beau message, n'est-ce pas, encore une fois, ça nous permet de se remettre un peu en question et s'autoriser à être soi et mettre en lumière toute cette partie d'ombre que nous avons. Je termine avec la petite carte pour ne plus avoir peur. J'inspire l'air qui me nourrit et me permet d'agir. J'expire ma peur et mes blocages. Ainsi ne demeure en nous que l'essentiel, nos savoirs, nos compétences, nos convictions. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Portez-vous bien et d'ici là, je vous embrasse. À demain.